na pusa ni na lizibao na ebisayo nyoso ya motema nanga tamba bomo na memilo yembwa motema nanga pona ebisayo tamba banze mbona nanga. Esikana to kaka ngolue na liziba na yo ya ya. Esikana zwaka makasi wana na liziba na yo ya. Esika ese moe tondaka na motema na liziba ya. Yebinga Yesu, apena yebi o Yesu, ngana yoto yebani Yesu. Oponanga Yesu, kapena pona yo Yesu, ngana yoto ponana. Linganga Yesu, na pena linga yo Yesu, kana yo to lingana Yesu. Yesu walingo yanga na yo na zoema, walingo ango na zoema, walingo ango na zokanga. Olingwango etikinga indiferente. Olingwango ezangi singa malo ba Yesu. Yesu. I got let's go. Oponanga Yesu. Kapena pona yo Yesu. Kana yo toponana Yesu na mosio. Olandanga Yesu, kuna nakati ya masumu Yesu, yango pena landio Yesu. Olinganga Yesu, na ekulu la kisa yango, yango pena lingio mingi. Yesu ozali na zoe mbela yo, na yeka makae, na yembela kae, tango pose mataka na ya. Je viens ce soir.
bajé nuna papa oko kadie wate zamba bajé nuna ngae oya bajé
na makile tambo la kande zembo na ngezo tanga tanga na silo biko yawe. Wow, wow, wow. Quelle présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces deux bien-aimés qui nous ont vraiment amenés dans la présence de Dieu. J'aimerais ici me retourner vers Papa Elirich. Tout ça, bananda kumoko. Vraiment. Chez Papa Franck Moulaja. Papa Elirich, j'apprécie beaucoup la grâce de Dieu qui est en toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire avec le Seigneur? C'est quoi ton secret? C'est quoi ta motivation à l'égard de cet homme qu'on appelle Jésus? Mon plus grand motivation, c'est l'amour qu'il a manifesté à la croix pour nous. Yes. La Bible dit qu'il y avait silence dans le ciel, sur la terre et sous la terre, car il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. J'aime le silence parce qu'il n'y avait personne. Dans le ciel, là où l'agneau restait, il y avait silence. Sur la terre, il y avait silence. Même sous la terre, il y avait silence. C'est-à-dire personne n'était capable de faire le travail que Jésus avait fait à la croix. Et quand Jean a réalisé cela, la Bible dit Jean a pleuré. Et l'un de vieillards a dit: Jean, ne pleure pas, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le plus grand cadeau que Jésus nous a donné à la croix, c'est une grande motivation pour l'adorer, pour le chanter nuit et jour. Yes, ça, voilà. Ça c'est fort. J'aime quelque chose que tu as dit. Tu as dit qu'il y a eu silence. Vous savez, il n'y a pas forcément silence parce qu'il n'y a personne. Il y a parfois silence parce qu'il n'y a pas manifestation. C'est-à-dire qu'il y avait des anges, des archanges, mais toutes ces personnes n'ont pas pu se manifester parce que cette charge était tellement lourde. Mais voyez-vous, quelqu'un à cause de l'amour. C'est comme si là où il y avait des milliards d'anges, l'amour n'habitait qu'une seule vie. C'est vrai que Michael est quelquefois descendu sur terre pour combattre sous l'ordre de Dieu. Mais Michael, lorsqu'il a s'agit de l'amour, il ne s'est pas manifesté. Que Dieu bénisse Papa Elirich. Je me retourne ici. Papa Dieu merci, Mwanza. Ye atangaranza mbiso razo yemba. Papa Dieu merci. Nakulu kana yeba. Upikula kawapi. Kupikula na yo. Upikula kawapi. Merci beaucoup Papa Michel. Kupikula na biso tozolo ba. Eza na source moko. Eza Yesu Masiya. Et source wana nde ezo sala à chaque fois tant que tozo kota na profondeur ya source wana nde tozo zo ba élément oyo mokileza na ngote. Donc source wana nde ezo permettre biso tozo la renouveler, tu vois. Donc c'est à dire que à chaque fois nous sommes dans la présence de Dieu, la présence de Dieu nous permet à être renouvelé. Omoni ngungu masoka meli mutu pendant 30 jours à Fandi, étant à Mouassan Zaramuto, à comment renouveler. Donc la présence de Dieu nous donne l'accès d'être renouvelé en esprit. Et l'esprit nous donne la possibilité de voir ce qui est matériel ou ce qui est visible. Donc, c'est un peu ça. Ça c'est fort. En tout cas, ça le roi Ngoma, hein? Kendo s'est renouvelé, mais là la présence. Que Dieu nous bénisse, j'aime beaucoup ces bien-aimés. Nous voudrons ici laisser la place à Papa Elirich, nous interpréter une chanson et nous reviendrons. Dieu vous bénisse, merci.